Oula! Et oui. Ah. Il faut que je parle d'abord. Ah. Bonjour fidèle abonné et ma joie est grande en fait. Ma joie est grande. Vous êtes à la dernière phase de notre projet de pastèque où nous avons mis en place un protocole de production de la pastèque. Un protocole qui va révolutionner la production de pastèque en Afrique. Un protocole qui va révolutionner la culture de la pastèque. Au Cameroun en particulier, c'est la mise en place d'une exploitation de demi-hectare. Comment intensifier la culture de pastèque sur demi-hectare et avoir les rendements d'un hectare. Voilà la vidéo. Regardez comment le champ est chargé de fruits. Voilà, le champ est chargé de fruits. Je vais prendre la peine de bien expliquer ce protocole maintenant pour que vous compreniez le travail que nous avons effectué ici pendant 78 jours. Aujourd'hui, ça fait 79 jours comme nous avons commencé déjà avec les récoltes. Nous sommes à la maturité et je marche comme ça sur des fruits dont le poids moyen ici à la plantation est de 7 kg. Donc, voilà par exemple les calibres que nous avons obtenus ici. Nous avons des fruits comme ça en grande quantité dans cette parcelle où nous avons effectué seulement deux fertilisations uniquement, et nous avons cette grande population de fruits dans la parcelle. Ici, dans le bas fond, nous avons sectionné, suivant notre protocole, et nous allons essayer de nous rapprocher plus haut. Donc, voilà ce que nous avons fait. Nous allons vous expliquer, je vous explique rapidement ce que nous avons fait pendant la production, et comment est-ce que nous avons essayé de mettre en place un suivi, un moyen de contrôle. Bon, vous allez remarquer, je m'embrouille, je pars dans tous les sens parce que je suis très content. Alors, en effet, nous avons lancé la production de pastèques sur demi-hectare, en culture intensive, où nous avons fait une variation au niveau de la fertilisation, parce que je vous avais dit, je cherche un protocole de fertilisation qui va s'y prêter dans tous les sols d'Afrique. Actuellement, il y a 16 personnes qui sont lancées à travers l'Afrique, que nous accompagnons avec le même protocole pour obtenir les résultats dans chaque pays. Et les résultats jusqu'à présent, pour tous ceux qui sont lancés, sont toujours similaires à celles que nous avons rencontrées ici. Ça veut dire, au point de vue fertilisation, nous avons établi deux protocoles de fertilisation. L'un des protocoles, nous avons fertilisé le haut deux fois et le bas une seule fois. Nous avons utilisé les densités de semis de 2 par 50. Nous avons utilisé des traitements variables entre la fertilisation foliaire, la fertilisation granulée, la fertilisation... Bref, il y avait beaucoup de variations que nous avons créées dans cette exploitation pour obtenir ce résultat et d'en tirer le meilleur formulaire que nous allons vous recommander dans vos prochaines vidéos, dans nos prochains projets. Et justement, je vais vous dire que nous avons testé ici deux variétés. Nous avons la variété Kaolack et plus bas, je vais vous montrer l'autre variété que nous avons utilisée, que beaucoup aussi apprécient sur le marché, c'est la variété Héraclès. Je ne sais pas où il y a des fruits Héraclès. Voilà, voici Héraclès. Donc, nous avons ces deux variétés, comme je vous avais parlé lors de la formation. La variété Héraclès et la variété Grebel, Kaolack. Généralement, les gens ne savent pas que la variété Grebel ou Kaolack peut faire jusqu'à 8 kg. Nous avons ce fruit qui fait 8 kg et nous avons celui-ci qui fait 10 kg. Nous n'avons pas cherché à avoir des fruits gros, des calibres, comme il faut dire souvent. Mais nous avons essayé de chercher un protocole qui va permettre aux jardiniers d'avoir des gros fruits, pas très gros, mais d'avoir un poids moyen de 7 kg, tel que le protocole qui a été mis en place, mais en quantité. Quand je dis en quantité, c'est en quantité. Nous allons prendre une seule ligne. Parce qu'en marchant dans le champ, on n'arrive pas à identifier la ligne principale. Nous allons prendre la ligne des bordures. La ligne des bordures va nous permettre de voir le nombre de fruits qu'on a obtenu seulement sur une seule rangée. Alors, on va sortir un peu de la parcelle. Vous connaissez. Seulement en marchant à partir d'ici. J'aimerais qu'Adrien filme au fur et à mesure qu'on marche. Nous avons déjà sur une ligne. Hein, et ceux qui sont sortis, on a 1, 2. On a 3. On a 4. On a 5, 6, 7. Continuons à évoluer par là. Là, on a 8. On a 9. On a 10. On a 11, 12. Ici, alors, c'est la pagaille. On a 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. On a 22.
On a 23, 24, on va aller un peu plus vite. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 30, 40, 41, 42, 43, 44. Ici à côté de moi, 45, 46, 47, 48, 49, 50. On a 51. Voici la variété Héraclès encore. On a 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 60, 70, 71, 72, 73. Il faut un peu mettre la caméra un peu plus bas ici. 74, 75, 76, 77, 78, 79. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, pourri, 109, 110, 111, bref, ça fait 112, 113, 114. On a 115 fruits sur une seule liane. Et sur une seule ligne. Et nous pouvons le répéter fois 100 lignes. Nous allons rendre compte que nous sommes à 10 000 fruits. 10 000 fruits avec les chargements qui font 1000 fruits par canter, pratiquement. Nous sommes à 10 canters. Mais ici, nous n'allons pas prendre en compte le fait que toutes les lignes ne sont pas autant chargées. Parce que c'est justement sur les lignes de bordure. On va prendre seulement la moyenne. 50, la moitié, même 50. Ça veut dire que nous sommes à 5 canters, 5 chargements sur demi-hectare. Vous comprenez un peu dans quel sens je suis en train de m'exclamer quoi. Alors nous allons aller plus haut pour voir la récolte. Comment la récolte s'effectue? Quelles sont les équipes qui sont en place? Pendant ce temps, je laisse au caméraman vous faire visiter les fruits, vous faire voir les fruits dans la parcelle. Toute la parcelle bondée de fruits. Toute la parcelle bondée de fruits. Non, mais c'était une expérience folle. Et quand j'ai commencé avec les vidéos en ligne, les gens m'ont toujours pris pour un terrible quoi. Je dis, monsieur Dario là, il n'a jamais peur de jouer ou bien pour lui, c'est toujours, quand il a semé, il faut qu'il récolte. Donc c'est une histoire fabuleuse avec la pastèque. Je rappelle qu'avant de me lancer la culture passée, j'avais trop perdu. J'avais vraiment pris des gros risques. Aujourd'hui, je continue toujours à me former et toujours à produire et gagner en expérience dans la production. Vous voyez le calibre comme ça. On a des nombres des centaines et des centaines en plantation. Non, il ne faut pas arrêter de sauter fond comme ça. Tu gardes la vidéo. Toujours comme ça. Là. Alors, à ce moment, nous sommes en pleine récolte. Et voilà. Quand je vous parlais du problème d'accessibilité, l'accessibilité est un facteur très important qui est responsable de l'échec de certains projets. Voilà. Nous, à notre niveau, nous chargeons. On va un peu essayer de descendre. Nous, à notre niveau, nous mettons. On va un peu plus bas. Donc, nous chargeons les pick-up comme ça. On charge les pick-up comme ça avant d'aller remplir la Gina dans une zone plus accessible, tout simplement parce que la voiture ne peut pas arriver jusqu'ici quand il y a des pluies et parce que tous les chauffeurs ont refusé de se rendre ici. C'est des kamikazes comme ça qui maîtrisent la route et qui sont prêts à affronter, qui vont nous permettre de pont. Ils prennent comme ça, ils mettent à 5 km d'ici ou environ à 8 ou 9 d'ici et on fait le relais. On prend les fruits, on transvase dans les Gina et les fruits sont vendus par canter. Au point de détail, les chargements, un canter ici actuellement coûte 800 000 francs dans notre localité actuellement. Et quand on prend une voiture comme ça, on paye son transport 30 000 pour qu'il dépose ça au niveau où il y a la Gina. Et la Gina, lui, il prend, il va vous retrouver dans votre marché à Douala, à Yaoundé, partout dans le coin du pays. Donc, la récolte se passe comment? Il y a les deux premières équipes qui sont là, ils sont en train de couper seulement les fruits, mais ils identifient les fruits bien mûrs, qui sont déjà prêts, qui ne sont pas malades. Et il y a après eux les ramasseurs, il y a les ramasseurs qui chargent dans les sacs et ensuite il y a les porteurs. Donc c'est comme ça que nous procédons ici pour pouvoir faire la récolte et évaluer
la production en champ. Donc comme je disais là, ce sont eux qui font eux cueillent, ils identifient les fruits mûrs, ils cueillent, ça se fait en tas. Quand ils ont identifié les fruits mûrs, ils envoient ceci, ça se fait en tas. À côté de ceux qui font le tas, on a les chargeurs qui sont là, ils chargent dans les sacs et puis ils transportent jusqu'à la Djina, jusqu'au pick-up au 4x4. Donc au final, nous avons le travail qui est fait là, qui a été une expérience folle, comme je vous ai dit, pendant cette période de 3 mois, plus précisément 79 jours, et notre plantation est prête. Donc, nous avons maintenant, regardez aussi au cours du champ, il y a les feuilles qui ont déjà presque, qui sont toutes mortes pratiquement, parce que nous sommes en fin de cycle, il y a déjà la sénescence, mais une sénescence amplifiée par le mildiou. Vous avez la maladie. Parce que la deuxième parcelle que nous avions mise au point, la deuxième parcelle qui est là, c'est une parcelle qui avait reçu moins de traitements. Et par conséquent, c'est la maladie qui est quittée de là pour venir infester la grande parcelle. Donc ça veut dire qu'à un moment, on a aussi appris dans la gestion des traitements, la fréquence des traitements, le type de traitement appliqué et le mode de lutte. Donc nous avons vraiment eu un gros plaisir de réaliser cette vidéo, de cheminer avec vous pendant ce projet. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de la récolte. Le plaisir est que pour Agri Dario, le plaisir était pour moi personnellement de vous diffuser toutes nos informations depuis le début de la campagne et de vous dire que vous pouvez aussi, vous aussi, en agriculture, en pensant que l'investissement se rentabilise avec les moyens qu'on y met. La prochaine campagne se prépare déjà. Il est temps pour vous d'acquérir des terres. Il est temps pour vous de mener une expertise concrète sur vos terrains. Il est temps pour vous de vous lancer parce que la CAN se prépare maintenant. Nous allons ravitailler les gens avec la prochaine campagne. Nous allons ravitailler les Camerounais, les étrangers, tous les pays d'Afrique entre janvier et février pendant la CAN. Ils auront besoin de rafraîchissement, ça sera pendant la grande saison sèche et les gens auront soif. Donc, vous aussi, lancez-vous dans la culture de pastèque. C'était avec Agri Dario. Ciao, ciao.